tant de décennies après la Grande Guerre. Le fils d'un poilu corrézien va tenir entre ses mains le projet d'un continent. À son tour, il va devoir faire vivre le pardon et la promesse que demandait Hannah Arendt. Le pardon pour pouvoir reconnaître le passé, la promesse pour pouvoir regarder l'avenir. Réconcilier les peuples désormais. Pour qu'aucune vie ne soit plus jamais fauchée, mutilée par l'aveuglement des hommes. Et réconcilier l'Europe avec son avenir. Le visage de l'Europe d'aujourd'hui, Jacques Delors a contribué à le dessiner trait par trait. Avec la confiance et le soutien constant du président Mitterrand et du chancelier Kohl, une décennie durant,